en enchaînant les tournées. 5 ans plus tard, il revient avec son 3e album, moins dans les dessins animés, plus dans la réalité, avec toujours autant de talent, une bonne dose d'amour à distribuer. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Mika. Bonjour. Merci vraiment d'être là. On est vraiment ravis de vous recevoir à nouveau, parce qu'on vous avait reçu il y a 3 ans à peu près. On vous reçoit cette fois pour votre 3e album, The Origin of Love. Love, en fait, c'est parce qu'au travers de tous les titres, vous nous parlez d'amour. Pourquoi est-ce que vous aviez envie de nous parler d'amour maintenant? Je sais pas, peut-être parce que j'ai 29 ans aussi j'ai pensé que c'était un bon concept pour un album de pop, parce que généralement les chansons, souvent ça part de l'amour, on veut l'amour, on perd l'amour, on attend l'amour, on cherche l'amour, c'est toujours un peu ça. Mais aussi, je sais pas, c'était après une période d'un an et demi où j'avais rien écrit, j'avais une sorte de blocage. En fait, la vérité c'était que c'était un peu plus long qu'un an et demi. Après mon 2e album, après une tournée qui avait duré presque 4 ans, qui vous a épuisé, j'imagine. Ouais, c'était dur. Et aussi de devenir un interprète de cette manière et pas vraiment quelqu'un qui écrit, un auteur, parce que quand on est sur une tournée, on peut pas vraiment écrire tous les jours. Et donc me mettre devant un piano, tout avait changé. J'étais en train d'écrire, je pensais à mes fans, je pensais à ce que les gens allaient penser de ma chanson, même avant que ça existait. Et ça c'est pas nécessairement formidable, et ça donne pas d'inspiration. C'est incroyable parce que ils sont rares les artistes à parler de ces moments-là, de doute ou de manque d'inspiration quand on n'y arrive pas. Il y a toujours ces doutes, ces manques d'inspiration, et donc il y avait plusieurs choses. Premièrement, j'ai commencé à poser le blâme, to blame everybody around me. Ah oui. J'ai dit que c'était la faute de tout le monde autour de moi. J'ai eu un break-up horrible, et ensuite un jour. Il y a eu un accident avec ma sœur. Oui, qui est tombée de... qui a eu un très grave accident, il faut dire, qui vous a beaucoup marqué, qui va mieux. Beaucoup mieux, et j'étais là-bas, et ça a déclenché un sorte de... c'est bizarre, parce que quelque chose d'assez... C'était ça, le déclic? Oui, c'était ça. C'était ça aussi, je suis tombé amoureux, et c'était une sorte de déclic où je me suis dit, bon, j'ai retrouvé une sorte de joie de vie, et la confiance de faire quelque chose qui prenait du risque, et aussi peut-être... qui allait être nul. Parce que c'est seulement quand on peut faire quelque chose qui peut-être sera complètement nul qu'on peut faire quelque chose de beau, quelque chose de bien. Ouais, vous avez pris ce risque en gros. Hein, quand on prend le risque de faire quelque chose de nul, souvent avec vous, on arrive à quelque chose de bien. Vous avez travaillé avec Nick Littlemore, qui est un des pionniers de la scène électro-australienne. Il paraît qu'en studio, en tout cas c'est ce que j'ai lu, c'était, on va dire, vraiment drôle, sympa, avec une ambiance totalement détendue. Absolument. Je rentrais dans le studio. Premièrement, j'ai commencé à Montréal. Et je suis parti de Londres, et c'était important pour moi de me séparer de mon univers, de mon monde, de la vie normale, exactement, de me mettre dans une bulle. Et donc, quand je suis parti à Montréal, je connaissais pas Nick Littlemore. J'arrive, et il y avait comme 23 claviers qu'il avait loués, il y avait 7 basses, il y avait toutes sortes d'instruments. Un magasin de pâtisserie c'était un magasin de bonbons musical. Et aussi, je me sentais tout d'un coup comme si, bon, je dois pas être seul. Je peux être la même personne et faire un album de la même manière que j'ai fait mon premier, entouré par des gens qui sont en train de faire de la musique qu'on aime, pas parce qu'on a de la pression, un objectif commercial. Et donc, je me suis entouré par un collectif qui voulait faire de la musique pop. Quand on écoute cet album, on a vraiment l'impression que vous avez passé une étape, que vous avez tourné une page, c'est-à-dire que vous ne vous cachez plus derrière des cartoons. Cette fois, c'est vous qu'on voit et qu'on sent. Il y a beaucoup de sincérité. Je me cache plus derrière, exactement. Et maintenant, c'est drôle parce qu'avant, j'avais, même dans les visuels, il y avait toujours ce monde cartoon. Ouais. Et on me voyait un peu, mais c'était une grande séparation. Et maintenant, je me mets au plein centre et je dessine autour de moi. Par exemple, je mets une photo de moi et je dessine tous les visuels et le monde cartoon, dessin animé tout autour de moi. Vous avez accepté d'être au centre, ça y est. Ouais, mais je mets aussi au même temps, je sais qu'il y a une différence. Et je me mets dans le contexte de mon univers. Je garde les couleurs, je garde les mélodies, je garde l'euphorie, mais au même temps, je me mets comme une personne qui a une voix vraie. On sent que vous avez mûri en vous écoutant, hein, parce que, encore une fois, moi je vous ai vu il y a 3 ans, on vous revoit aujourd'hui. Si cet album a autant de succès que le premier, on vous le souhaite d'ailleurs, est-ce que vous le gérerez de la même manière ou est-ce que vous allez prendre un peu plus de précautions pour vous protéger? Je pense que ce qui est important, et après cet album, où je me sens vraiment comme si j'ai rattrapé un peu la corde, et je sens le mouvement, j'ai rattrapé la corde créativement,
Je pense que c'est très important de faire des autres choses, comme par exemple, maintenant je veux produire le disque et écrire les chansons d'une amie, d'une copine à moi qui chante un peu comme Joan Baez. Ouais. Et donc je vais travailler sur ça. J'aimerais bien faire peut-être la bande originale d'un film, mais faire des projets créatifs ouais. où je peux me mettre à fond constamment. Ne pas se laisser aspirer par la tornade. Exactement, de pas être complètement concentré par ah ok, je dois faire de la promo pendant deux ans juste pour que je puisse. Parce que en fait, la promo pendant deux ans, ça vient avec un prix. C'est pas gratuit. Bon, ça veut dire qu'on peut vendre des albums, mais au même temps, ça veut dire que quand je me mets devant un piano, encore une fois, peut-être ça va me prendre un an pour me remettre là où j'étais avant. Et ça c'est dur. Ah, c'est pour ça qu'on vous remercie d'être là. Je vais vous demander d'aller rejoindre vos avec musiciens, plaisir. Mika, s'il Merci. Vous plaît. Vous êtes accompagné par Joy Joseph aux percussions, Tim Van Der Kael à la guitare. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Et vous allez nous interpréter Celebrate. C'est une chanson qui dit à quel point on peut être transformé par l'amour. Youpi. To the only place I know, where the trees are planted grow. I wanna come home. Once I get up, I feel better, and I pull myself together. I remember those two letters, B-O-K. Everyone says that will never. I say only if it's better. Being at life is forever. Just fine when I see you at the finish line. And doesn't matter if I take my time. I'm coming home. Oh, once I get up, I feel better. And I pull myself together. I remember those two letters. Be okay. Everyone says that will never. I say only if it's better. Being at life is for. China boy, you let me go. A million pieces on the floor to clean me up. Lead me for the world to see. But did you know it was you that set me free? And once again, I feel better. Ever put myself together. I remember those two letters. Be okay. Everyone says now or never. I say only if it's better. Being at night is forever. Ouh. Merci. Eh oui, Mika sur un plateau en direct, c'est toujours un événement. Merci vraiment d'être venu sur notre plateau. Franchement, merci à vous trois. Mika, The Origin of Love, chez Barclay Universal. Vous serez au Casino de Paris le 12 et 13 novembre. Ça ne va pas tarder à être complet, j'en suis absolument certaine. Merci encore. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète de Philippe Verdier. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. 20h40, soirée d'information avec envoyé spécial, puis complément d'enquête. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Nos invités ont eu la chance de connaître le grand amour.